この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Non, ce ne sont pas des images de vraies vidéos de WRC ni de 1600, c'est bien des images du jeu que vous avez en fond. Bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve pour jouer aujourd'hui à Colin McRae Rally 4. On avait fait le 1, le 2, on avait fait le 3 il n'y a pas si longtemps non plus. Et nous voici du tout pour la 4ème version sur PlayStation 2. Alors vous voyez qu'on a un petit compteur en bas à droite, c'est le compteur avant je crois le mode démo. Et si je rebouge, ce compteur baisse. On est dans la tradition des Colin McRae depuis le 2 finalement, c'est-à-dire un affichage ultra épuré avec... oui, je pense qu'on ne peut pas faire plus épuré que ça, hein, concrètement. Enfin, même le, je pense que le 2 est au maximum, mais le 4 reste bien en vogue à ce niveau-là. Alors, on va découvrir du coup un petit peu le jeu ensemble. On a un mode championnat, un mode rallye, un mode stage, un mode course rapide. On peut voir les options, on va voir les options d'ailleurs au niveau des de ce que l'on a. On peut changer la langue. Et d'ailleurs je vous propose de prendre en français. Et au niveau du copilote, regardez, on peut mettre le copilote en français. Direct Ringer, on pourrait le prendre, mais on va prendre la version française, comme ça au moins voilà, on est bien comme il faut. On a les secrets, donc pour activer des codes bonus, pour l'instant on va pas le faire, de toute façon je les connais pas, donc on les fera quand même pas. Les crédits et les graphismes. Alors on a les graphismes. On a voiture fantôme, flèche copilote, 1, 2 ou 100. Regardez, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut la mettre sur le côté, ce qu'on veut, mais bon. Vu qu'on focus toujours sur le centre de l'écran un peu en hauteur, il vaut mieux l'avoir au milieu. Ou même 100, si vous êtes vraiment, vous connaissez par cœur et que vous êtes fait ça à la voix. On peut enlever et rajouter la voiture fantôme, on va le laisser. Écran large, ça sert à rien, on est en 4 tiers. On peut changer et calibrer l'écran. Ça c'est bon. Ensuite, donc on va faire retour. Le son, bon, on va laisser comme ça par défaut, je pense que c'est très bien. La langue, on l'a vu, les sauvegardes, ok. On a des bonus. Bon, regardez, on a la sélection des champions 2004. On a Club Football, Espagne, Grande-Bretagne, Grèce. Alors je sais pas ce que c'est ça. Je pense que c'est. Ouais, les 2RM, 4-4. Attendez, groupe B. J'ai rien eu. 4-4 c'est quoi? Ouais, 4 roues motrices, en fait c'est ce qu'on débloque quand on débloque les 4 roues motrices, mais on les a dès le début en fait, j'ai double versé donc ça sert à rien. C'était en gros des vidéos qui vont nous être montrées. Bon, on va revenir quand même en arrière, ce qui est plus intéressant c'est le jeu en lui-même. Je vous propose de faire une spéciale pour découvrir le jeu de manière assez rapide, après on fera un peu plus dans les détails. On peut donc jouer jusqu'à 4 joueurs, donc on est en mode alterné hein, bien sûr. Par contre en 2 joueurs on peut jouer en écran divisé, et ça c'est pas mal. Alors on pouvait déjà le faire dans le 1 et dans le 2 hein. Mais voilà, le fait de pouvoir avoir alterné à 4 joueurs c'est quand même pas mal, ça peut être marrant. Bon, faudra réussir à trouver 4 potes qui vont avoir envie de jouer à ce jeu, mais bon c'est faisable. Ensuite on a les dégâts normaux importants. On va faire les deux parce que je veux quand même voir la différence entre les deux. On peut choisir des réglages voiture avec ou sans, on va mettre avec. On va valider.
Et donc, on a le mode 4 roues motrices, le mode 2 roues motrices, les groupes B, les voitures bonus aussi quand on en débloque. Et vous allez voir que. Bah, enfin, ce qui est bien, c'est qu'on sait déjà finalement ce qu'on va pouvoir débloquer. Il y a un choix de voiture qui est quand même plutôt pas mal, même assez important, en tout cas si on le compare avec, avec par exemple le premier ou le deuxième. On a quand même, regardez, on a l'ancienne Delta Intégrale, on a la 2 chevaux Sahara. La Ford Escort RS 1800, ça l'était déjà hein, dans Queen Nacréa. On a Van Transit, incroyable, ça me donne envie d'essayer. Franchement, j'ai vraiment envie de débloquer ce genre de véhicule. On a une 22B, ça c'est cool quand même. Et ouais, il vous montre en fait ce qu'il faut faire pour débloquer. Donc finalement, ce qui est bien, c'est que vous savez quoi faire finalement pour débloquer tel ou tel véhicule. Attends, on a bonus, voilà. Ça, c'est pour les bonus, mais on a aussi des groupes B. Et vous allez voir que dans les groupes B, on a par défaut, enfin quand on aura débloqué le groupe B, on aura l'Audi Quattro, on aura la Lancia 037, on aura la Peugeot 205. C'est du classique, hein, dans l'absolu, RS 200. Donc voilà ce qu'on peut avoir. Ensuite, les deux roues motrices, donc les 1600 deux roues motrices. Alors vous remarquerez quand même qu'on ne voit pas la voiture en trois dimensions. C'est juste une photo. En tout cas, dans la vue comme ça, il faut une dizaine de patienter, vous voyez, quand on change de voiture. je sais pas pourquoi, c'est assez long, surtout qu'il y a juste à charger une image en fait. Donc, du coup, ah bah si, c'est bon, pardon, je dis une bêtise, voilà, là on les voit en 3D. Je peux me balader sur les véhicules, on peut tout ouvrir. Alors, ça, c'était aussi Rallye 3 qui faisait ça précisément à la même époque. On peut vraiment voir en détail, regardez, le moteur est quand même bien fait. Ça, c'est ce que vous avez en jeu, hein, je précise quand même. Les 3D sont vraiment super réussis, le reflet sur les voitures est bien fait. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc on a une Saxo Kit Car, une Ford Fuma Super 1600 Rally Car, une Fiat Punto Super 1600 Rally Car et une Volkswagen Rally Golf qui n'est pas débloquée. Et c'est marrant puisque dans le 5 ou le 2005 c'est une des voitures qu'on a par défaut au début, c'est un petit peu inversé. Et enfin on a évidemment les WRC avec bah, les licences hein, de certaine manière qui sont présentes. Donc la Citroën Xara Rally Car, bah, tout simplement parce qu'à l'époque, je crois que Richard Burns il était sur la Xara, je confonds avec Sainz. Burns était où en 2000? Je sais qu'il était chez Ford, mais il a pas fait un tour chez. Il a pas fait un tour chez Citroën. Bon, j'en souviens plus. Franchement, vous allez m'insulter, mais je m'en souviens plus. On a du coup la Subaru Impreza en version bah, 2000, 2003, je crois, ou 2004. C'est pas 2004 ça là. Ça c'est la 2003 par contre de la Ford, non même 2002. On a l'évolution 7 chez Mitsubishi. Alors là, on sent qu'il n'y a pas le, qu'il n'y a pas vraiment les sponsors qu'il faut, mais bon. Et enfin, la 206 Rally qui est à débloquer. Alors, je vous propose de commencer directement avec une. Je ne sais pas ce qui va être débloqué dès le début. Donc concrètement, on va commencer avec une deux roues motrices. On va prendre une. Pourquoi pas? Allez, on va prendre une Fiat Puma. On va prendre en automatique. On peut mettre notre nom. On va la faire un peu vite, pour bon, son avantage c'est que c'est pas très long à écrire. Voilà comment vous gagnez du temps dans votre vie. Avant de naître, demandez à vos parents de prendre un nom très court. On peut choisir la nationalité, j'ai envie de dire peu importe. Tiens, on a la Croatie pour une fois. On a la quoi, Slovénie, qu'est-ce qu'on a? On a Wales. Enfin c'est des drapeaux quoi, vraiment. Par contre, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui jouent avec le drapeau de l'Égypte. Enfin, ça m'étonnerait un petit peu. Irlande, République tchèque. Bon, en fait, on s'en fiche. On prend une République tchèque, mais c'est vraiment sans prétention. On a donc l'Espagne avec une spéciale débloquée sur 6. On débloquera les spéciales évidemment quand on va réussir les championnats en mode rallye, etc. Et on aura après tout débloqué. Donc là, vous voyez, on a une spéciale et une super spéciale qui est débloquée, qui est bloquée aussi en Grande-Bretagne. On a la Grèce, on a les États-Unis. Le Japon, la Suède, l'Italie, l'Australie, pardon, la Finlande, et on revient sur l'Espagne. Je vous propose de faire, pour commencer, ah, pourquoi pas la Suède, tiens. Allez, on va commencer dans la neige dès le début. Et je n'ai qu'une spéciale débloquée, donc on va devoir s'entraîner là-dessus. Et ce qui est bien avec la Suède, c'est que ça va permettre de vraiment comprendre un petit peu le maniement du jeu, voir s'il y a eu des évolutions faites. Par rapport aux anciens, Colin McRae, et savoir si le rendu est bien fait. Alors, c'est bien, on a des commissaires autour, enfin des commissaires, des mécanos autour. Même là, ils ont essayé de faire ça. Bon. On a les réglages.
Donc, hauteur de caisse, je peux changer. Bas, haut. Le risque d'atteindre l'obstacle au sol. On a les amortisseurs, on peut changer plein de trucs. Voilà, barre anti-roulis, les freins, la boîte de vitesse. Alors, la boîte de vitesse, je vais plutôt la mettre en basse, puisque en général, on patine énormément, donc ça sert à rien d'avoir des rapports très longs. Bah, quoi qu'on a plus de grip en fait avec des rapports longs, mais bon, c'est particulier. Enfin, en tout cas, on peut faire ces réglages, donc on va valider, on va faire course. Et le chargement lui-même qui est plutôt. Faut aimer l'austérité. Hein. C'est concrètement la spéciale qu'on va faire, mais en écran de chargement. Bon, voilà, petit trait particulier. Donc c'est parti. On va démarrer avec la Ford Rally Escort. Et on a donc un fantôme devant nous. Waouh! Qui est avec je ne sais pas quelle voiture. Oula, ça glisse un peu. Alors là, j'ai voulu ça un petit peu quelques temps pour écouter un petit peu le bruit, les bruits alentours, l'ambiance du jeu. On s'est loupé complètement à l'épingle, je vais me reprendre le mur. Donc voilà, donc vous aurez remarqué, il y a trois vues. Et c'est déjà ce que je trouve. Oh, regardez, on a un petit jet ski sur le côté, c'est marrant ça. Jet ski. Mais non, pas un jet ski. Comment on appelle ça? Bon, ça va me revenir. Bon, bref, vous avez compris sur le côté là qui était animé, c'était pas mal. Et déjà, pour premier défaut, alors on va voir si c'est juste au fait parce qu'on est sur une spéciale normale. Est-ce qu'en mode championnat on aura plus de choix? Mais concrètement, on a que trois vues. Regardez, on a que la vue embarquée, la vue ras du sol et la vue derrière. Et il y a une vue qui me manque terriblement, c'est la vue capot. Que je trouve un peu hein, le mix entre bah, le réalisme d'une vue plus basse et la praticité d'une vue un petit peu plus éloignée. Qui permet quand même de voir un peu plus loin, enfin, je pense un peu mieux ce qui va se passer devant nous. Surtout au niveau du gabarit, aussi pour les virages. Alors au niveau du maniement, je vois pas trop de changements avec le 3, enfin il y en a un hein, quand même. Par contre là où je suis un petit peu plus, ce qui me dérange un peu plus, c'est au niveau des graphismes. Alors on est sur PS2, je le rappelle quand même, hein, donc on va pas attendre non plus des miracles, hein, ça reste un jeu qui est plutôt joli. Mais je trouve que ça manque de détails en fait au niveau des abords de piste. Concrètement, j'ai l'impression de voir un Colin McRae Rally 2 sur PC. Si on enlève la voiture. On va quand même se calmer au niveau de la voiture est magnifiquement bien réalisée, il n'y a aucun problème dessus. Je me suis pris le mur juste à la fin. Voilà, c'est un petit peu la déception que je vais donner déjà au niveau des graphismes. C'est très propre. Ils ont moins mis cet effet de poussière. Qui était un petit peu dégueulasse, je trouve, dans le 3, où il y avait trop d'abus de ce genre d'effet qui pendant un moment. Mais là, à l'inverse, c'est totalement l'inverse, et du coup, il n'y a pas entre deux, je trouve que ça rend un peu bizarre. Après, ça reste joli, ça reste quand même plutôt joli, ça reste potable pour l'époque. Hein. Mais déjà, on entrevoit quelques limites au niveau de la Play 2, à ce niveau-là. Bon, les changements sont assez courts, donc ça va, on va revenir en arrière. On va changer, on va faire un petit mode rallye, pourquoi pas. Spécial course rapide à voiture aléatoire, spécial aléatoire. Si je vais faire un petit rallye histoire de vous montrer un petit peu voilà, les dégâts importants, je vais voir ce qui se passe. On va enlever les réglages voiture, on s'en fiche de toute façon, c'est juste pour faire un rallye. Par contre, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre une 4 roues motrices cette fois-ci pour s'entraîner avec une 4 roues motrices. Et je vous propose de commencer, bah, pourquoi pas, avec la Citroën Xara directement. On va faire OK. Là, peu importe.
Et donc on a... D'accord, je cherchais ce que c'était le mot sotastique et asphalt attaque. Faites du gravier, personne. Ok, donc en fait c'est des compositions de rallye qui nous ont été proposées. On peut faire un rallye personnalisé d'ailleurs, donc ça c'est cool, on peut se créer des variantes. Et sinon, on peut faire aussi des rallyes entiers sur la Grèce, etc. Sauf que vous remarquerez que malheureusement, certaines spéciales sont verrouillées. Mais par exemple, je vois que les États-Unis, c'est pas le cas. Donc pourquoi pas lancer par exemple les États-Unis. Va commencer comme ça. Et on va donc démarrer avec notre Xara WRC. Chargement toujours aussi austère. Bon, en tout cas, vous allez voir, le jeu est quand même pas mal. Ça reste un très bon Colin McRae. Mais on sent quand même que le côté innovation a perdu un sacré coup. Elle est quand même très jolie, quand même, cette Xara, elle est vraiment très très bien modélisée. On va voir le maniement du coup d'une 4 roues motrices maintenant. Et vous remarquerez que j'ai toujours pas de vue. Donc en fait, il n'y a que 3 vues, et ça c'est une grosse déception pour moi, mais bon, ça va, hein, c'est pas rédhibitoire. On va traverser, pas s'embêter. Alors, on peut utiliser le frein à main, bien entendu, pour faire tourner la voiture un peu plus, en faisant braquer beaucoup plus fort. Niveau du bâtiment, du maniement, décidément. Voilà, je disais, il n'y a pas trop de différence avec le 3, enfin, je vois pas trop de différence. Les sons ont été refaits, ils sont un peu similaires, surtout au niveau des claquements de jet d'échappement par rapport aux 2. On remarque qu'ils ont fait quelques efforts pour ajouter des éléments graphiques au niveau surtout de l'herbe sur les côtés des spéciales. En fait, c'est un jeu que je trouve très net, très clair dans sa composition. Enfin, en tout cas, pour le moment, on n'est pas tombé sur des spéciales, on va dire, trop fouillis. Mais voilà, on s'y retrouve, on reconnaît bien les abords de la piste, on sait qu'il ne faut pas leur aller soit à droite, soit à gauche. C'est très compréhensif, mais ça commence un peu à vieillir. Voilà, c'est surtout ça que je vais reprocher à ce jeu. Par contre, il y a toujours autant de plaisir à rouler sur ce Colin McRae, vraiment. On va peut-être changer de vue, voilà. Regardez, on est passé dans un, je sais pas, on dirait un petit pont. Voilà, on va faire un petit coup de frein à main. Et pareil, regardez-moi cette vue intérieure. On avait une vue intérieure qui était mieux faite dans les anciens Colin McRae, je suis désolé. Là, regardez, on voit à peine le volant. On voit à peine le mouvement du volant et c'est tout. Je me demande même s'ils ont vraiment modélisé le cockpit, concrètement. Est-ce que sur le côté du cockpit c'est modélisé? Est-ce qu'ils n'ont pas fait un cockpit qui est partout le même entre les voitures? C'est un petit peu dommage. Enfin, autant ils ont fait une très belle voiture, autant pour le reste ils ont manqué quelques éléments, c'est dommage. Alors évidemment on a la vitre qui va se salir au fur et à mesure, donc ça c'est un petit détail toujours intéressant. Regardez, on a même, et ça c'est bien fait par contre, on a eu le coup de balai qui est passé, et du coup la vitre c'est un petit peu est devenue un peu plus propre, donc ça serait bien. Ouais, le son un petit peu différent, par contre je trouve que ça siffle un peu trop. Faudrait comparer avec le bruit de la Xara à l'époque en rallye. Et ça me paraît un peu trop aigu au niveau des sons. Je veux bien qu'il y ait des turbos, mais quand même quoi, enfin je sais pas. Ça me paraît un peu bizarre. On va rechanger de vue, on va se mettre en vue intérieure. Enfin en vue rad bitume ou rad gravier comme vous voulez. Et là on a fini la spéciale d'ailleurs, ça c'est court. Et du coup on a fini le rallye. Ce qui est bien, si vous avez vu, le choc a été bien localisé. Alors ça par contre, de ce que j'ai pu me souvenir, en tout cas des tests qui avaient été faits. Alors je parle du magazine, Jeux Vidéo Magazine concrètement. J'ai encore souvenir de trois screenshots sur la gestion des dégâts du jeu qui étaient quand même très très bien faits. Et là on l'a vu, hein, j'ai fait un choc sur le côté au niveau de la portière arrière. Enfin, et pas vraiment portière parce que c'est un peu en mode coupé, mais ça serait vraiment localisé à cet endroit. Et là je rappelle qu'on est en dégâts élevés,
Bon, à voir ce que ça peut donner si je me plante d'autres endroits. On a un replay, évidemment. Bon, on va pas le mettre, mais on a un replay. Et là, il est 18h30 sur la spéciale qui s'appelle Rocky Ridge. Et du coup, on va voir si l'ambiance visuelle est différente. On a vu déjà hein, en Suède l'ambiance un petit peu fin de journée. Alors, on va la voir ici aussi. On va voir ce que ça donne. Alors par contre le copilote, bon, on est... Aïe aïe aïe, oh alors ça par contre, ça va faire mal. Je pensais qu'on allait pouvoir péter le panneau finalement, mais pas du tout. Pas du tout. Et vous voyez, regardez au niveau de la jauge en bas à droite. On a le turbo qui s'est mis en jaune, ça veut dire, bah concrètement, on a un peu endommagé le turbo. Et ça m'étonne pas de toute façon, puisque vu le choc qu'on a pris bien placé ici au niveau du capot, dans la réalité, je pense qu'on doit au moins avoir quelque chose d'équivalent, voire plus. Donc, petite dose de réalisme quand même dans ce jeu. C'est un jeu qui se vaut évidemment simulation. Mais vous allez le voir quand on testera Richard Burns Rally. Oui, vous inquiétez pas, on testera ce jeu. Je sais qu'il est très demandé et que c'est un jeu qui vaut le coup. On est vraiment un cran en dessous. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs... Ne coupe pas, bah là je voudrais bien couper mais je suis un petit peu, comment dire, un petit peu bloqué. Toujours pas rattrapé, ah si c'est bon il est là. Quand on testera Richard Burns Rally, vous allez voir que malheureusement Colin McRae 4, Colin McRae 2005, ça a un petit peu, enfin, c'est un peu la fin pour moi de la série Colin McRae. Bon déjà il y a eu le décès du pilote évidemment, mais sans parler de ça, c'est là où la série a un peu perdu sa superbe, parce que Richard Burns Rally a montré ce que c'était vraiment de la simu, complètement. Et par rapport à Colin McRae, ça faisait mal quoi, ça faisait mal. Alors Richard Burns Rally c'est un jeu pour vraiment ceux qui aiment la simulation pure et dure. Là on reste encore dans quelque chose de semi-simulation, c'est-à-dire que ça se veut simulation, mais bon, on n'est pas au niveau maximal. Après il faut que le jeu se vende, hein, donc évidemment... ils peuvent pas s'amuser à faire un jeu trop difficile. Et Codemaster s'est bien rattrapé d'ailleurs avec la série des Dirt. Je parle pas des Dirt 1, 2, 3, 4, je parle vraiment des Dirt Rally 1 et 2.0 qui ont rétabli un petit peu cette dose de réalisme qu'avait Richard Burns à un moment. En parlant de l'égaler, je dirais peut-être pas ça. Parce qu'il reste encore ultra punitif. Mais dans Rally 2, Wain est très punitif aussi, hein, mine de rien. Si vous avez jamais joué au Dirt, vous êtes arrêté à Richard Burns, testez les Dirt. J'ai même pas vu qu'il y avait un rocher. Je l'ai même pas vu. Enfin, on est là pour jouer à Colin McRae Rally 4. Et pour le moment, bah, une fois qu'on a pris un peu l'habitude, ça se passe plutôt bien. C'est très propre comme jeu, c'est très correct, mais c'est sans... sans surprise, voilà, c'est juste sans surprise. Vous avez fait le 2, vous avez fait le 3, le 4, il va pas vous retourner quoi. C'est la continuité, vous avez la licence un peu à jour. C'est le FIFA 2016 à 2017 quoi, façon de parler quoi, c'est un petit peu le même style de jeu. Mais ça reste un très bon jeu. Pour moi, au niveau du monument, il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau des graphismes, on est dans la norme, là en PS2, il n'y a pas de souci. Oui, quand je dis que c'est un jeu qui est très propre, regardez quand même au niveau des arbres. Vous voyez quand même qu'ils sont très très bien détaillés. Les voitures sont très détaillées, en tout cas pour les stats. L'herbe est très bien faite. Mais voilà, c'est ce côté un petit peu carré. Voilà, tout ce qui est rocher, tout ce qui est à bord de pistes qui cache un peu tout. Ah, il demande d'arrêter la voiture, je l'ai même pas arrêté. Alors, je sais pas si ça a un impact sur la fin. Bon, on a fait le record du monde. Autant vous dire que les temps faits par l'IA sont totalement nuls. Et si on fait le record du monde la première fois que je roule dans une voiture, ça va être compliqué. Hein. Changer de métier, les mecs. Hein. Donc bon. Je pense qu'en mode rallye, enfin en mode championnat, la difficulté doit être plus élevée. D'ailleurs, ça m'étonne pas ou ça m'étonnerait pas qu'il y ait un Vice Peak dans ce jeu. Mais bon, je peux me tromper totalement.
Alors on démarre. D'ailleurs, ça me fait penser à un Pice Peak cette partie. On dirait qu'on est à la fin tout en haut de la montée. Pour ça, je me demande pourquoi ils auraient pas fait ça. Ouais, le copilote est correct, hein, y a rien à dire. Après, il y a une voix, bon, qu'on aimera ou n'aimera pas, ça reste toujours du feeling. Les effets d'explosion, échappement, ils sont toujours aussi magnifiques. Enfin, moi, je trouve ça super bien fait à chaque fois. On a un bel effet de lumière. Ah, je me suis loupé. Allez, regardez la caméra qui a changé aussi, c'est pas mal, mais c'était très bien fait. Au placement de caméra. Ah oui, on dirait la descente de Pice Peak là en fait, hein, c'est... c'est pas la montée, c'est la descente. Alors, on va arriver sur du bitume à la fin finalement. Ce serait marrant qu'ils aient fait ça d'ailleurs. On va savoir que Pice Peak depuis le temps a quand même été bitumé je crois partout quasiment maintenant hein, il me semble. Ce qui entache totalement les records évidemment. Mais bon, je pense que ça reste quand même dangereux Pice Peak même à l'heure actuelle. D'ailleurs j'attends avec plaisir le retour du Safari Rally. Il me semblait que ça devait revenir, alors, je n'ai pas suivi actuellement mais... Soit il est déjà revenu, soit il va arriver plus tard au moment où je vous parle. Il me semble que c'était prévu. C'est un des rallyes qui me faisait rêver à l'époque quand il existait encore dans les années 90. Ah oui, on arrive sur le bitume, ce qui est cohérent. Hein. Voilà, on arrive à la partie qui a été faite. Et du coup, voilà, bon. C'est le maniement a changé. Alors je pense qu'aussi le type de gomme doit interférer quand même hein, sur le grip que l'on a. Là, on doit avoir des gommes un petit peu entre les deux, ce qui fait que le grip sur du sec et sur du bitume doit pas non plus être optimal. On n'a pas des pneus slick pour autant. Alors regardez aussi au loin, on n'a pas vraiment de clipping, ça c'est bien aussi. Bon, c'est ce qu'on attendait sur une PS2 à l'époque. Hein. Mais vraiment c'est pas mal quoi, enfin, ça reste quand même... c'est très propre, techniquement c'est très propre, voilà. Alors après on va voir le mode championnat un peu comment ça se passe. Je pense qu'on va devoir commencer peut-être en mode deux roues motrices. Je sais pas s'il y a un mode un petit peu, là où je crois qu'il y avait une super idée, c'était dans Rally 3. C'est le mode vraiment carrière. Et quand on dit carrière, c'est vraiment réussir à débaucher un contrat, faire ses classes en petite catégorie, puis après monter, avoir un objectif à la fin. Et ça, c'est un truc que Rally 3, par exemple, c'est un truc où Rally 3 est excellent. C'est là où ça manque et pas eu de Rally 4 plus tard, enfin un vrai Rally 4, hein, pas celui qui est sorti, qui est une merde sans nom, bref. Là voilà, donc on verra dans ce jeu si c'est présent ou pas. J'ai pas grand espoir, mais bon, on sait jamais. On est à 28 minutes, je vous propose, on va faire un petit replay, histoire déjà de voir si ça se passe bien, si c'est joli, à voir s'il y a des rajouts. Alors on voit les pilotes hein, quand même à l'intérieur bouger le volant, donc détail graphique très intéressant. On voit le mouvement aussi hein, des roues. Je trouve qu'il y a un petit effet accéléré, je sais pas, ça fait bizarre. Ça fait un petit peu voiture radiocommandée sur une piste, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je sais pas, on est sur la version PAL, je précise. On est en 50 Hz, on n'est pas en 60. Bon, j'ai mis que la 160 ça va être encore plus accentué. Mais c'est joli, voilà, c'est propre, ça, du rallye, c'est assez amusant. Par contre, pas de musique, pas rien. C'est ultra austère. Ah, je vais me taire, vous allez voir, c'est super austère. Ah, alors, je pense que c'est dû à la piste, mais il y a un petit effet vraiment voiture radiocommandée en miniature sur une grosse piste. Enfin, c'est assez bizarre. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de musique aussi. Un petit peu dommage. Ça aurait un petit peu rendu la chose pas épique. Et on fera en tout cas avoir le choix d'avoir la musique ou pas, parce que mine de rien, avoir la musique en fond, ça c'est un peu plus entraînant.
Allez, c'est parti, on va faire un championnat. Alors, pas un championnat entier, bien sûr. Alors, par contre, j'ai un groupe B. Est-ce que je vous montre un groupe B? Est-ce qu'on tente un groupe B? On va tenter le groupe B. Difficulté à avancer, oui, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Alors, par contre. Ah oui, mais j'ai pas de voiture disponible. Ah, c'est dommage, je pensais qu'ils allaient quand même nous prêter une voiture. Bon, tant pis. Et surtout, regardez, on a un mode expert. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Bon, on va prendre le 4 roues motrices. On est en difficulté, voilà. Avancé ou normal, mais la seule différence, apparemment, c'est au niveau des dégâts. Je vais mettre la difficulté normale, tout simplement. Alors, pas, je pourrais mettre la difficulté plus haute, c'est pas le problème. C'est juste que je mets dans la position quelqu'un qui découvre le jeu, qui a pas forcément. Dès le départ en mode avancé. Donc on va prendre mode classique. La Subaru, la Ford, la Peugeot on l'a pas. Subaru Impreza. Ah, j'aurais bien aimé que ce soit la 44S, mais bon. Enfin la 22B, mais bon évidemment, elle date pas de la même année. Ok. Et cette fois-ci on va changer de nationalité, on va être croate. Au chinois, je me suis trompé, c'est pas grave. Alors, les véhicules électromotrices dominent la scène actuelle du rallye, il reste le choix de tout pilote sérieux qui désire se confronter à la ligue de ce sport. Tout à fait. Donc, bienvenue. Ah, bah c'est dommage, regardez, on s'est trompé, on a pris le mauvais rallye. Spécial assez fluide sur du gravier fin, cette course comporte des sections difficiles et pleines de virages avec des rochers épars sur les bas-côtés herbeux. L'introduction est quasiment la même depuis le 2, sauf que le 2, on nous parlait. Là, on n'en parle plus, c'est juste de l'écriture. Alors attendez, on va faire des mises au point, on a un réglage de voiture. C'est quoi la mise au point? Bah, c'est le checkdown en fait, concrètement. Ok. Alors le bruit a un peu changé. Ouais, le bruit a changé. Par contre, vous êtes sûr que ce sont les vrais bruits de ces voitures à l'époque? J'ai un doute, hein. Sincèrement, j'ai pas trop de souvenirs de cette époque en termes de bruit. Mais le bruit me semble problématique. Je sais pas pour vous, mais je ressens pas ce côté un peu vrombissant d'un boxeur en fonctionnement. Ça reste trop aigu. À l'intérieur, bon, c'est un peu plus réussi, mais. Ah non, mais à l'extérieur, je suis désolé. Soit mes oreilles auraient explosé en l'espace d'une journée, soit je comprends pas, hein, mais pour moi le bruit est pas bon. Voilà, donc je vous laisse dans les commentaires me dire si vous avez la même impression ou si je me trompe tout à fait. J'aimerais me tromper, bah, du coup ça rajouterait des points au jeu, mais je suis pas vraiment certain de me tromper. Hein. Oups, ah carrément! Ok. Là j'ai coupé. Donc là, c'est juste un checkdown, donc logiquement, il n'y a pas toute la spéciale, enfin, je pense. C'est le principe du checkdown en général, enfin, en tout cas dans les jeux, c'est qu'on voit qu'une partie du tracé et on se débrouille avec ces réglages-là. Bon, de toute façon, ça me va très bien, on va pas faire de réglage, on va faire directement la spéciale. On va voir les informations. Difficulté partielle. Ok, et la spéciale 2, elle est en. Ah, la première spéciale est plus difficile que la deuxième, ok. Ah oui, on a les améliorations! Alors évidemment, je voulais pas montrer parce qu'on n'en a pas pour le moment. Mais regardez, on peut donc là, on peut améliorer la composition des structures des pneus glace et neige pour augmenter l'adhérence, par exemple. On peut faire pareil pour le gravier. Les freins céramiques, ça, je m'en souviens. Alors si je fais OK, évidemment, ça marchera pas. On a les amortisseurs, la boîte de vitesse et le moteur. Donc ça, c'est bien. Et du coup, on va lancer la course. Et c'est parti! Alors vous remarquez que le checkdown est totalement différent de la spéciale qu'on a faite. Alors c'est là où je ne comprends pas.
Va falloir m'expliquer un peu le délire. Je pensais que. Alors, c'est peut-être une spice d'essai, juste pour s'entraîner, je sais pas. Mais j'imaginais qu'on allait au moins faire la spéciale qu'on allait faire là. Enfin, c'est bizarre hein, comme façon de faire un shakedown. C'est comme si, limite, on vous disait bon, entraîne-toi sur Indianapolis, l'ovale, hein. Voilà, pour faire tes réglages pour Monaco. Voilà, c'est aussi cohérent, mais bon, pourquoi pas, hein. Après, on reste quand même sur le même type de piste. Donc ça peut marcher. Mais c'est quand même un choix assez étonnant. En plus, là, encore une fois, je vais revenir, vous allez dire, il est énervant avec ça, mais le coup de la vue capot. Là, si on regarde, alors, regardez un petit peu l'intérieur aussi à travers la vitre, on voit, hein, effectivement, le. Ouh, j'ai tapé le rocher. On voit le copilote à l'intérieur, on voit même les notes du copilote. On voit que je tourne le volant, donc ça, c'est très bien fait. Mais je repense sur l'histoire du moteur. Tout à l'heure, vous avez vu, on pouvait voir un peu les voitures en détail, en ouvrant les portières, etc. Le moteur, on pourrait le voir ici, mais avec la vue capot, on aurait plus de détails dessus, justement. Ça aurait pu être intéressant. Oula, j'ai complètement tapé. Alors, on va voir le niveau de l'IA aussi. À combien elle se situe. Là, je rappelle qu'on est en championnat 4 roues motrices, c'est censé être difficile. Souvenez-vous, vers Rally 3, c'était compliqué, même vers Rally 2 aussi. Enfin, vers Rally 2, on n'a pas trop fait, mais. Queen Mercury Rally 2, pardon. Par contre, je fais vraiment des erreurs. C'était difficile. Est-ce que là, même en me plantant deux fois, je vais faire un meilleur temps, par exemple? Bien que je sais que les autres circuits sont en général plus durs que le tout premier. Moi, je me souviendrai toujours de la Nouvelle-Zélande, ce Colin McRae Rally 1. Ça avait beau être le premier tracé, c'était ignoble en termes de difficulté, hein, je veux dire. Le jeu, il ne faisait pas de cadeau. Hein. Donc, on va du coup le découvrir ici. Alors, je sais qu'il y a des endroits que je peux un peu traverser, notamment vous avez vu ici avec les barrières orange, qui sont juste des barrières en plastique, hein, concrètement. Du coup, elles n'ont pas trop d'impact. Par contre, celle-ci, regardez. Ah non, celle-ci aussi. Celle-ci, ça passe. Allez, on met le petit frein à main, on réaccélère fort. Et on essaye d'enchaîner. Un coupe à moitié. Genre. Prends la moitié du raccourci dans ce jeu. Non, vous inquiétez pas, la FIA ne détectera absolument pas notre technique. Ouais, donc cette spéciale était assez courte. De rien. Alors voilà, on a le classement, regardez en bas. Donc on a le meilleur temps, mais vraiment de loin, regardez-moi ça. Je me suis planté deux fois, hein, et deux fois comme il faut. Alors certes, j'ai quand même pété la voiture. On va faire un petit arrêt sur les dégâts. Sur ma foi. Bien réalisé. Du coup, on a fait 7 secondes de mieux que Redfield, Chris Redfield et Colin McRae sur la Citroën. Je me suis pas trompé, il était bien chez Citroën à un moment. Voilà, en 3 minutes 25 et derrière. Alors, je vais voir un peu ce qu'on a. Ouais, pour l'instant, on a que des 4 roues. Il y a que 15 voitures. En même temps, pourquoi il y a 15 voitures? Normalement, s'il y a. Attendez, il y a combien de Peugeot par exemple? Ford. Une, deux. Combien de Citroën il y a? Ah, il y a trois Citroën, ok, d'accord. Ouais, j'allais dire par rapport au nombre de voitures, c'est pas cohérent. Parce que normalement, c'est par deux. Hein. Et là, apparemment, on a trois pilotes dans la même équipe. Du coup, c'est pour ça que ça fausse un petit peu le classement. On va faire continuer, bien sûr. Et on va du coup passer à la deuxième Rocky Reel que vous avez déjà vue malheureusement, mais on verra après la troisième spéciale. Je pense que peut-être entre la deuxième et la troisième spéciale, on aura le parc fermé pour pouvoir, enfin le parc fermé pour réparer un petit peu le véhicule. Et évidemment, comme dans tout Colin McRae, les dégâts d'une spéciale sont reportés sur la deuxième. C'est logique. Par contre, je crois qu'elle n'était pas dans le 1. Dans le 1, je crois que c'était pas le cas. À partir du 2, je crois qu'ils ont répercuté les dégâts de la voiture dans le jeu, dans la spéciale suivante.
droite 6, coupe, et gauche 6, coupe. Et attention, long droite 4, fermeture, rocher extérieur. 30, long gauche 6, fermeture. Vous avez, j'ai le turbo aussi qui est un peu endommagé, j'ai pas fait attention, mais... Et en plus, on est en dégâts normal, hein, donc je pense qu'en dégâts plus évolués, ça aurait été peut-être plus violent. Pourquoi il m'a dit de tirer à gauche alors que le virage était à droite? J'ai pas trop compris, bon. En même temps, j'étais tellement mal positionné. Ça coupe pas. Attention, la FIA est postée à Spech. Alors ça c'est génial, je sais qu'il y a un rocher, on me dit de pas couper. Oh. Allez on coupe. On dit hein, ça va passer hein. Oh mon dieu. Bon. Du coup j'ai encore plus démoli la caisse, c'est magnifique. On verra la gueule de la voiture à la fin de la spéciale. Oh bah là j'ai pas coupé hein, j'ai pas totalement laissé ça. On est complètement à la rue. Craignez-vous ça. Ah là là. Je rappelle que je découvre le jeu en même temps que vous, hein, donc. Enfin, que vous. En même temps que vous regardez la vidéo. Mais sûrement que des gens ont ce jeu. C'est un jeu qui s'est vendu de manière normale. Faut dire que la déception du 3. Enfin, la déception du 3. Putain. C'est pas possible. La déception du 3. J'ai la déception du 3 parce que le 1, bon. C'était une surprise le 1, concrètement. Donc il a commencé à faire parler de lui parce que de lui-même il était très très bon. Le 2 c'était l'explosion. Enfin, regardez les journaux à l'époque, ça, ils en parlaient un peu comme un Gran Turismo 3 concrètement. Mais par contre le 3, ils en ont parlé, c'était l'hype. Et finalement quand il est sorti... oui bon c'était pas mal mais il n'était pas si bien que ça. Voilà, le côté technique ça n'avait pas bougé. Et alors le 4... Ça a été le silence encore plus élevé, ça a été voilà, c'était un petit peu décevant. Et je vous parle même pas du 2005. Le 2005, le seul avantage qu'il a eu, c'est comme il était sur PSP, ils ont... Je suis pris au même endroit, je fais n'importe quoi. Ils en ont parlé un peu plus, voilà. Mais concrètement, la hype de Colin McRae, elle a été finie. Terminée depuis longtemps. Allez, on coupe. On est des fous. Bon, je fais des erreurs, hein, donc imaginez en mode difficile, je pense que là on aurait été un peu plus en difficulté. Je doute que ce soit un jeu facile sur la durée, hein, vraiment. En plus, il y a un mode expert, après, on peut finir peut-être... on peut avoir, pardon, si on finit à promis à ce championnat, si j'ai bien compris. Donc on va pas porter de jugement sur la difficulté globale du jeu. En tout cas, pour moi, elle semble correcte pour quelqu'un qui débute. Il va pas s'arracher les cheveux, il aura une voiture qui sera... correctement maniable, un petit peu de difficulté en termes de dégâts, il va falloir réfléchir un petit peu, attention à ses trajectoires. C'est un jeu tout public, c'est un jeu tout public, mais qui est un minimum au courant que c'est pas Burnout 2 quoi, enfin en tout cas pour l'époque. Donc c'est un jeu qui est bien placé dans son choix. C'est pas critiquable en fait à ce niveau là je trouve. Allez. On a réussi, on a 6 secondes demi en m'étant planté, mais lamentablement, 13 secondes d'avance, bon. Si on devait comparer au premier, je fais toujours des comparaisons, mais bon, on fait des comparaisons sur la même série, avec Colin McRae 1, Colin McRae 2, là, c'est le mode facile de Colin McRae 1 et 2. Et vraiment facile. Alors, on peut voir les dégâts en haut, refroidissement et sur roue, la configuration, je vais du coup pouvoir faire des réparations. C'est parti pour la réparation. Et vous voyez quand même qu'au niveau des dégâts, alors plus le pourcentage est faible, plus on a de dégâts. En gros, c'est ce pourcentage restant d'état de la partie. Voilà, par exemple, bon, les freins, dégâts légers, il n'y a rien. Par contre, la carrosserie, elle a pris quand même assez modéré. Par contre, le refroidissement, il est à 52. Donc, on va le réparer et on a un temps limite de 62 minutes pour faire la réparation. Donc, il faut choisir ce qu'on veut dans le lot. Pour après réparer au mieux sa voiture. On va mettre les essieux. Je vais réparer concrètement ce qui est le plus endommagé. Même si je pourrais réparer d'autres choses. On va faire la carrosserie, voilà. Regardez, hop là, avant, après. Alors je vais vous montrer quand même le moteur. On peut pas. Ah, on peut pas. Non, on peut pas. Je peux pas. Pas la bouger. C'est la réparation la plus rapide du monde.
Allez, réparer. Je vais arrêter avec ça. La suspension, on va l'améliorer. Voilà, enfin, on va l'améliorer. Vous avez vu la différence quand même? La suspension, ça se voit, hein, les dégâts. Alors, réparer. Ouais, on pourrait réparer le turbo à 80% ou la boîte de vitesse. Ouais, ça se voit, hein. Bon, là, visuellement, ça se voit pas. Bon, on va faire le turbo. Allez, c'est vraiment par défaut. On peut régler la voiture à nouveau. On s'en fiche. On peut voir les sections, effectivement. Voilà, c'est. Ça peut être intéressant. Et on va faire la course. C'est parti. Donc là, c'est 8h du matin. Il fait que c'est couvert, donc le temps sera un petit peu différent. Enfin, en tout cas, j'espère. Et on est du coup sur la spéciale Wood Cove. Troisième spéciale de ce rallye des USA. En plus, c'est cohérent. On a le USA Racing Team. Subaru Rally Team USA. Parfait. Je veux dire, on est au bon endroit, quoi. Allez, c'est parti. Ah, ben c'est la spéciale qu'on a fait tout à l'heure. Ah, je suis désolé pour les choix, malheureusement, je m'attendais pas à tomber sur le circuit pile qu'on allait faire en premier. Enfin, non, je m'attendais pas aux USA. Je m'attendais plutôt à l'Espagne ou ce genre de choses. Mais limite, ce qu'on va faire, bien que j'aimerais finir un rallye pour voir ce qui se passe, bien que ce soit un championnat, donc en fait, on va juste arriver au rallye suivant. Je pense, vu qu'on est qu'à 46 minutes, je vais vous montrer un ou deux environnements après celle-là. Sur d'autres circuits, on voit un petit peu d'autres choses et on s'arrêtera là-dessus concrètement. De toute façon, je vous ai un peu, bah, je vous apprends pas forcément grand-chose à chaque fois, mais je vous ai montré quand même une partie, je pense, assez importante mine de rien. C'est marrant cette partie blanche, comme s'il y avait de la neige en fait qui était restée sur le côté. D'ailleurs, c'est potentiellement de la neige en fait. Si c'est de la neige en fait sur le côté. Ok. Alors la trajectoire était très particulière là, je peux vous l'accorder. Mais franchement, ouais, j'ai pas vraiment envie de vous montrer, c'est spécial, on l'a déjà vu, donc potentiellement c'est pas intéressant. Bon, on va faire start, on va abandonner. On va revenir au menu principal. Progression sera perdue, c'est pas grave, le but c'est de vous montrer le plus de choses. Y a rien à gagner de toute façon à la fin. Si un jour je vous fais le jeu en complet, on le fera. Enfin, là, je finisse ce que j'ai commencé avant, mais voilà, on aura le temps de s'y mettre. On va faire des spéciales. Pas s'emmerder. Voilà, spécial. On va garder dégâts importants. Moi, j'aime bien les dégâts importants. C'est cool. Voilà. On va prendre une voiture. On va prendre la. Ah, il y a Mitsubishi. Automatique, faut bien faire jouer les sponsors. On est islandais aujourd'hui et du coup on va aller faire bah, l'Espagne. Écoutez, ça me donne envie. L'Espagne, je pense que ça va être un petit peu de l'asphalte normalement. L'Espagne, ça a souvent été l'asphalte. D'ailleurs, Bugalski il gagnait sur l'asphalte avec la Xara en 99, je crois. La Catalogne, ouais, c'est la seule référence que j'ai. Désolé, ouais, c'est l'asphalte, c'était prévisible. Au Tour de Corse en fait. Et une petite Mitsubishi avec l'Evolution 7 avec l'aileron bien placé. Et par contre, regardez le volant à droite. Petit détail, mais qu'est-ce son importance, hein, puisque c'était. Ah, c'est une voiture japonaise. Hein. Du coup, on a le volant à droite. Et on va du coup voir si le maniement est un peu différent. Alors, le son est différent par contre. Toujours aussi peu réaliste, mais en tout cas, il y est. Il est différent. Bon, ben du grip, hein. C'est assez fun sur le tarmac. En général, c'est très très fun le tarmac. Bon, sauf le rallye de Corse au Colimacréen, enfin de l'Italie, pardon, qui est une immondice. Mais le reste, ça va. Alors si vous voulez pas de quoi je parle, amusez-vous, on va chercher sur YouTube, faire essayez le rallye d'Italie sur Colimacréen. Vous allez comprendre ce que c'est qu'E3 veut dire, ce que E3 veut dire avec des ravins sur les côtés et difficultés ignobles. Sinon j'ai fait le championnat, j'ai fait un championnat sur Colimacréen Rallye il y a longtemps, donc à la limite si vous voulez voir Colimacréen 1 et Colimacréen Rallye 2. Bon, vous pouvez aller sur la chaîne pour voir la vidéo si vous avez envie aussi. Voilà, sinon vous embêtez pas, vous travaillez, vous cherchez Colimacré Rally 1, Italie. Vous allez voir à quel point c'était pas la même. Et droite 3, ouverture longue.
Ouais, c'est pas. Ouais, oui, c'est quand même fun, il y a un petit effet de vitesse, c'est pas mal. Vous avez vu là le petit coup sur les barrières avec l'effet d'étincelle fort réussi. Par contre ça a pas rayé du tout la carrosserie. Hein. Bon après, pas trop en demander bien sûr, on est sur PS2, c'est déjà très 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 bien pour PS2. Je vais pas démonter le jeu, au contraire c'est un très bon jeu. Mais bon voilà, faut toujours se placer dans le contexte de l'époque hein, de toute façon. Coupe, hein, mais c'est ça que mais par contre, d'une certaine manière, c'est quand même intelligent. Hein, un copilote qui te dit t'as droit de couper à cet endroit, tu veux gagner du temps, c'est intéressant. Je pense même que dans la vraie vie, ils doivent le faire. Hein, contrairement, bon là, le talus, rien à foutre, hein, on peut prendre carrément l'extérieur ou autre. Je pense que ça doit se faire encore. Et voilà, il demande de couper, je l'ai pas fait, mais bon, j'aurais pu. Ah! Et là j'ai perdu un temps énorme. Alors regardez là par contre, voilà, je suis pas planté dans le décor, mais j'ai perdu beaucoup de temps. Et on a arrêté le véhicule. Pas trop de dégâts, mais alors pourtant on a bien raclé. On va faire quitter. Oh, c'est étonnant! Un pilote sans Xara qui a fait le meilleur temps, enfin en tout cas qui était à battre. Alors, on a vu du bitume, on a vu la Suède, on a vu les États-Unis. On va faire une spéciale sur un autre tracé. Bah, deux roues motrices, écoutez, pour une fois, on va changer un peu. Allez, pipiette Puto, pourquoi pas. Voilà, toujours aussi réussi. Regardez, hop là, avec le moteur Abarth, normalement, non? Ouais, c'est pas... enfin, j'ai pas vu si c'était une Abarth. Oui, c'est une Abarth, ouais. Voilà, avec les couleurs d'ailleurs d'Abarth sur le moteur. Donc c'est parti, on va faire OK. Nous sommes devenus roumains. Ah, limite les couleurs, on était pas loin. L'Espagne, donc on a vu la Grande-Bretagne, la Grèce. Alors, la Grèce, j'ai envie de vous montrer, ou le Japon. Bon, l'Australie, c'est pas mal, il y a des boss aussi. Ah, la Finlande, ça pourrait être intéressant. Non, je vais vous montrer le. Allez, la Grèce. On va finir sur la Grèce. Quand ils avaient encore du budget. Pardon, excusez-moi. Oui, n'empêche, je rigole, mais 2003-2004, il y avait les Jeux Olympiques d'Athènes qui allaient arriver. Oui, ils se sont bien ruinés. Pourquoi je parle de ça dans un jeu de rallye? Allez, c'est parti. Sympa le 2003. Je sais pas quel est l'enfant qui a fait ça derrière, mais faudra lui dire que c'est pas drôle de faire ça avant la course. Hein. Ah, regardez, il y a un petit effet de brume. Voilà, c'est ce qui me manquait un petit peu. Enfin, ce qui manquait. Que je critiquais dans le 3 que c'est trop présent mais qui manquait quand même un petit peu dans le jeu, bah finalement on l'a un peu. Donc c'est pas mal. Mais je crois qu'on l'a parce qu'en fait c'est l'hélicoptère qui nous suit qui fait ça. Vous entendez? Je sais pas si vous entendez parce que le bruit peut être un peu léger pour vous. On est suivi par un hélico en fait. Et quelque chose me dit que c'est l'hélicoptère, oui parce que là on l'a plus. Qui crée le dégagement de poussière. On verra le replay. Faut pas que j'oublie. Ça m'étonne que des effets de brume comme ça alors qu'il y a une voiture devant nous. Hein. Ça me paraîtrait incohérent. Mais vous voyez, là on fait le rallye de Grèce. Je vais le comparer. Ah bah justement, regardez ces décors là. Là c'est typiquement ce qu'on avait dans Queen Macrae Rally 1. Je vais le comparer au 1. Bah, je trouve. Ouais, je vais attendre la fin spéciale quand même pour me prononcer. Mais je trouve que ça manque de détails en fait. Sincèrement, bon, je sais que c'est assez aride la Grèce, y'a pas de soucis. Mais je trouve le rallye de Grèce. Bah, en proportion de la puissance de la machine, hein, je précise. Un peu plus détaillé, en tout cas plus fourni que ce jeu-là. Alors là, on arrive, on commence à avoir du décor un peu différent. Donc peut-être que je vais réviser mon jugement.
Mais regardez pareil, hein, Rallye de Grèce, Colin McRae 1, bon. Sur Play 1, attention, on change de console. Je trouve que ça manque un petit peu de détail. Alors je sais que c'était pour des spéciales, hein, sûrement des spéciales où il y a un peu plus de... Ah bah voilà, on est sorti du... Ouah, qu'est-ce qu'il... Il me dit pas de couper, là. Je peux pas te couper, ici. En tout cas, c'est très open, hein, j'ai l'impression. Je sais pas jusqu'où je peux aller sans prendre une pénalité ou sans qu'il me mette sur la piste. Mais j'ai l'impression qu'on peut aller super loin. Hein. Je pense que je pourrais même sortir... Est-ce qu'on peut casser les barrières, tiens? Non, pas les casser. J'ai envie d'aller de sortir de la piste. Est-ce que je peux y aller? Attendez. Ça, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais gamin sur Colin McRae 1. Est-ce qu'on peut sortir de la piste entièrement? Ou est-ce qu'il y a un mur invisible? Ah, voilà. Ah, c'est la petite déception quand même, parce que ce colis m'a créé, on pouvait le faire. Même si, bon, il y avait un mur artificiel après, je vous rassure. On va pas le faire. Bon, c'est dommage. Ça aurait été marrant. On a la mer, on a de l'eau en tout cas, un petit lac, j'ai l'impression, à droite. Bon, ça va, il y a quand même quelques détails un petit peu différents. Je vais pas être aussi net dans mon jugement. Ouh, cette fin de spécial me fait penser à celle qu'il y avait dans le 1. On sortait à fond, on allait tout droit. Ça allait hyper vite d'un coup, il y avait un long virage à droite où on prenait tellement vite, parce qu'on était en descente, que la voiture elle se retournait complètement. Et c'est d'ailleurs un niveau comme ça qui est sur la démo de Colin McRae 1 sur PlayStation. Et là ça y ressemble un peu, alors je sais pas si c'est un clin d'œil. Et justement voilà, on va voir le replay. On va voir le replay. Est-ce que c'est à cause de l'hélicoptère qu'on a la poussière ou pas? Elle a bien démarré au bout d'un moment la voiture. Ah mais non, mais on est à l'arrivée. Alors du coup on va faire replay. Est-ce que c'est bien l'hélicoptère qui nous mettait de la brume ou pas? Vous voyez que cette brume n'y est pas d'ailleurs sur le côté. Hein. Donc là on a une vue un peu hélicoptère. Est-ce qu'on va voir l'hélicoptère? Oui, regardez, on a l'hélicoptère derrière qui nous suit. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Bon, même si c'est pas vraiment cohérent par rapport à la position de l'hélicoptère, mais en tout cas, on a compris que c'était à cause de ça. Du coup, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça. Je vais rajouter des points pour le côté hélicoptère de fin. Il nous reste combien? Ouais, il reste 2 minutes. Je vous montre vite une piste rapidement et puis on s'arrêtera là-dessus. Allez, on va faire spécial. Oui, on va aller vite, on va prendre des... Oui, à nouveau. On va prendre la MG, tiens, pourquoi pas. Allez, vite, vite. On va essayer de gagner du temps. Je suis pas limité en temps, hein. C'est juste que je veux éviter d'avoir une vidéo trop longue, parce que je comprends que les gens... On est des Nations Unies. Et on va faire, du coup, la Finlande. Allez, pour terminer, un petit spécial à Kuokkala. Voilà. Quoique à la fin, on aurait pu faire autre chose, mais bon. On va... Faire un petit jeu de mots, voilà, pour terminer, histoire de... J'ai pas de désabonner, du coup. Là, on dirait la chute du Don Jones, c'était pas mal. Donc c'est parti. Et on est en Finlande. Y a pas l'Allemagne, d'ailleurs, je suis en train d'y penser. Je sais que l'Allemagne, c'était dans le 5. Ok, donc là, c'est vraiment rallye, voilà. Là, on reprend des standards de rallye classique. Alors le rallye de Finlande, en général, c'est rallye un peu des 1000 lacs, donc c'est le rallye où on a des longues lignes droites avec des bosses un peu partout. Est-ce que là, ils vont le faire dans cette spéciale ou pas? Très long droit, fermeture. Cet effet de brume, on va changer un peu de vue, voilà, on va se mettre la gata. Alors limite le son je le trouve pas trop mal fait pour la MG. Le sifflement me plaît un peu plus, c'est plus cohérent par rapport au bruit du moteur, bon. C'est pas mal. Ah, fossé extérieur, attention. Et là on reprend sur du gravier. Ouais, c'est typique hein, d'une spéciale finlandaise. Enfin, ça me... On n'est pas dépaysé mais on est cohérent. Au moins ça. Ah, la spéciale qui va durer un peu longtemps. Bon, on va la finir, hein, évidemment. Est-ce que je peux prendre le poteau? Non! Toujours pas, hein.
Ils ont, alors, il y a des voitures qui rentrent dans les baraques en bois des gens, dans les rallyes en Scandinavie. Mais alors, le petit poteau en plein milieu, no way quoi. Alors, lui il est là, il restera là, ça fait 20 ans qu'il a été posé. Bah, non. Tu peux lui rentrer avec un camion dedans, je pense qu'il y a un Boeing 747 qui est rentré dedans. Il bronche pas, hein. Il coupe en deux le Boeing, mais alors, lui il a rien quoi. Par contre, regardez, j'ai perdu. Alors, oui, alors par contre, regardez, j'ai perdu de l'eau. Et je vous montre quand même un petit détail graphique. Vous avez vu, il y a une petite fuite. Vous allez voir légèrement l'effet de fumée sur l'avant de la voiture. Alors je sais pas si je peux le voir là, non, ça va être difficile. Devant, je le vois pas. Regardez bien sur le côté gauche, au niveau du capot. Ah ben le voyant d'eau s'est enlevé. Donc peut-être qu'on n'a plus d'eau. J'ai pas compris pour comment ça se fait. Mais en gros, il y avait le voyant d'eau. On a vu un petit peu l'eau sortir du. Sortir, ben, au niveau de la gauche du capot. Et là, le voyant s'est barré. Bon. Faudra m'expliquer pourquoi. Je pense que si on avait cassé toute l'eau, enfin, en tout cas, on aurait un voyant différent que ce qui est là. Donc, à mon avis, ça s'est rétabli. Bon. Les miracles du rallye. Hein. Enfin, le miracle du jeu vidéo, j'ai envie de dire. Et du coup, on va finir cette jolie spéciale finlandaise dans le thème. Donc voilà, on va finir là-dessus. Bah, c'est un très bon jeu, évidemment, vous l'aurez compris. Même si j'ai peut-être été un peu méchant sur certains paramètres. C'est un très bon jeu que je recommande, bien évidemment, comme tous les Colin McRae quasiment. Il n'y a rien à dire. C'est pas le meilleur jeu, par contre, de son époque. Ça sera aussi une petite différence. Mais ça reste un jeu très très sympa que je conseille pour ceux qui aiment le rallye, qui aiment. Le rallye sans trop se prendre la tête et qui a envie de revoir des vieilles voitures, en tout cas en condition 2003-2004. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, ce sera un petit replay. Ciao tout le monde!